Et salut à tous, c'est Trunkan et je suis en compagnie de Kratos qui aime bien se mettre un torticolis. On est donc sur God of War 3, on est dans la salle de la flamme, comme vous aviez pu le constater. Et là-bas, juste là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a Hermès qui nous attend. Parce que ouais, il nous a saoulé, il nous a dit, ouais, là, t'as tué personne aujourd'hui? Ah oh, bah oui, c'est vrai, tu veux tuer ton père, là! Donc on va lui péter la gueule, parce que c'est un connard. Ça va être fun. J'espère que vous allez bien. Ouais, encore torticolis. Moi, ça va. Il commence à faire un peu froid. Là, je bosse de nuit cette semaine. Vous vous en battez les reins, mais c'est pas grave. Heureux. Tu as été chanceux au combat spartiate. Connard. Mais ta chance va tourner. Et comme ta femme. Ça fait un moment que j'ai pas joué à God of War. Par où? Comment Par oses-tu là! croire que tu pourrais m'attraper un jour? Ni, 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 ni. Oui! Donc là, le but, ça va être de le poursuivre, en fait. Quelle lenteur! What the lols? Ok, super. La vitesse de l'Olympe m'accompagne, mortel. Ouais, oh, mais c'est parce que t'as des converses avec des elfes et tout. Voilà. Pardon, monsieur, dame. Voilà, voilà, voilà. Il m'attend en plus ce salaud. Ah j'ai raté. Enfin non, on peut pas l'avoir à ce moment-là, mais je joue RP un peu, j'aime bien. On peut pas aller à gauche de toute façon. Là c'est déjà la séquence du boss hein ça. Thoros. Mais tu devras faire mieux. Thoros. Et en plus il nous troll là 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 là. Je vais tellement te casser la gueule. Le ciel est noir, c'est une malédiction. Oh des copains. Connard. Oh t'es un salaud. La statue d'Athéna. Mortel fainéant. Connard. C'est un connard. Aha. Oh merde. J'ai mouru. En même temps, c'est vrai qu'on voit à ce moment-là, on voit rien. Mais quand même, je suis un peu dégoûté. Je pensais que je serais assez haut pour pouvoir sauter correctement. Malgré ces temps de chargement infiniment longs. C'est vrai que c'est bien des nouvelles consoles, mais... Ah, les temps de chargement sont abusément longs maintenant. Oui. Voilà, c'est parce que en fait j'ai lâché R1 trop tôt. C'est bon, fermez là. Wesh. Ah, il y a des harpies en plus, c'est génial. Hop. Bien des
essayé, Kratos. Tu y étais prêt. Et les chiens, c'est mes meilleurs amis, c'est cool. Bam. Ah, j'ai shooté dans un villageois avec un chien. Voilà. Pardon. Normalement, ça file de la vie, ouais, ça file de la vie, les villageois. Ça a toujours filé de la vie. Dans tous les God of War, quand on tuait un innocent, ça filait de la vie, ce qui est relativement logique, c'est vrai qu'ils sont purs, donc y a pas d'orbe à la con, tout ça. Oh, un chien, tiens. Je dirai bonjour à Evangélie de ma part. Non pas que c'est une chienne, mais c'est elle soutient PETA, tout ça, tout ça. Je suis très gentil. Un peu simple, je dirais, très gentil. Ça on peut pas y aller, c'est dommage. J'ai plus de magie. Je vais t'attraper, je vais te défoncer la gueule. Regarde, tu vois, t'as oublié qu'il y avait une échelle. Tes jambes sont aussi lentes que ta tête. T'es qu'un connard, tu le sais ça que t'es un connard. Tu le sais ça que les connards dans ce jeu là ils durent pas longtemps. Ya. Ok. D'accord, ok. J'ai moyennement compris ce qui s'est passé, mais... D'accord, bah pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure, on sait pas. Oh, t'as eu de la chance. Oh, connard. Oui. Il court tellement vite, enfin c'est Hermès en même temps quoi. Allez, Kratos. Ce troll. Ah écoute, tu vois ce que t'as pas vu, c'est que là il y avait une putain de catapulte. Donc tu morflais. Ou alors est-ce qu'il va nous faire une... Boom. Ah c'est presque comme dans le 2 contre le colosse de Rhodes. Bam. Kikou. Ça va Hermès. Tu te sens bien. Ah, il y a du sang. Il y a du sang. Ça c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il est blessé. Et apparemment, il pisse bien. Il pisse bien. Ah ouais, il pisse. Il pisse, il est en train de se vider comme une... Comme une outre de Bombay. Il a encore la force de courir sur les murs. Donc va falloir faire attention. Donc là, on est là tel un chasseur traquant sa proie. Enfin, t'as morflé quand même. En fait, on est revenu là où on était il y a 2 secondes. Et là, le but, c'est juste... Il est où? Feu! Touché. Pas beaucoup, mais touché. Touché aussi. Ah merde, il m'a fait une attaque de catch. Ouais, sauf quand tu seras mort. Raté. En fait, Hermès dans God of War, il ressemble beaucoup à Flash dans la Ligue des Justiciers. C'est genre une grosse tête à claque qui va à 200 à l'heure. Ah ouais, là tu vas avoir du mal à les éviter. Ah c'est le... c'est dur hein. Tu commences à fatiguer. Je pensais que les Spartiates combattaient avec honneur. Tu essaies de me tuer alors que je n'ai aucun moyen de me défendre. Mais lol. C'est injuste. Mais tu as ton propre sens de l'honneur. Oui. N'est-ce pas Kratos? Et qu'est-ce que l'honneur t'a apporté? Rien que les cauchemars de tes échecs.
Aujourd'hui, mais non, ça, c'est surtout la faute d'Arès en fait. Mais en fin de compte, Kratos, en fin de compte, tu ne trahiras que toi-même. J'aime bien comment il a regardé ses chaussures. Bon, c'est pas tout ça. Ah, tu courras moins vite comme ça. Tu m'as coupé la jambe d'entrée, quoi. Alors, trois, deux, un. Bonne année. Bon, bah ça fait un dieu de moi. Alors pourquoi il se transforme en plume d'insecte dégueulasse, je sais pas. Et maintenant on peut courir, on a les bottines. Enfin, on a ses jambes, ouais. Elles sont classe, ces bottes avec les petites ailes. Elles sont vraiment classe. Je me rappelle plus comment on s'en sert, mais... C'est un moustique qui l'a écrasé. À présent, vous poussez à présent son agilité. Putain, j'ai du mal. Tu portes à présent les bottes d'Hermès. Utilise leur vitesse à ton avantage. Donc c'est assez pété pour dasher principalement. Comme ça. Kiko ! En plus, après, ça ralentit un peu le... D'accord. Il y a une magnifique fresque sur le mur. Ah merde, c'est comment qu'on change d'arme déjà? Comme ça. Et donc... Yeah, on va sauvegarder sur un autre slot, juste au cas où. Parce que voilà, je me méfie. Basiquement, ça va donner normalement ça. Ah! Il faut que je me remémore un peu comment on s'en sert. Voilà, il faut prendre un peu d'élan quand même. Ah, ah. Je suis dégoûté. Il faut juste faire ça. Ah oui, en fait, il faut juste appuyer une fois. Et ça va tout seul. Oh, ça fait du bien. Donc si je saute... Oh oui, c'est classe. Il y a un petit dash en l'air. Et ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. Un peu de tout, c'est génial. Oh oui, remplis ma lame. Donc on avait dit qu'on augmenterait quoi, je sais plus. Donc on va augmenter les bottes. 2500. Augmenter la boutade d'Hermès, alors ça. Genre qu'on fait des blagues et tout. Ah. Ça va être intéressant. On va peut-être tuer un autre boss. Ça va être très intéressant. Là. Parce qu'on arrive... Voilà. Normalement, vous pouvez reconnaître ce visage-là. Et cette fresque-là est très intéressante. Qu'on a vu...
partielle représente tout simplement une partie des 12 travaux d'Hercule. Car oui. Oui. Donc c'est le sanglier d'Erimante, je crois, ici. Oh. Classe. Je me rappelle très peu de la partie avec les bots. Mais je sais que c'est classe. On va chercher ici. Hop. La magie. La magie. Putain, on voit pas bien là. C'est bleu, je crois. Bonjour, excusez-moi. Voilà. Ah, ils ont genre la peste et tout, un truc comme ça. Ah, c'est la maladie, quoi. Toi, tu vas mourir, voilà. Il me calcule même pas. Les mecs, ils me calculent pas, quoi. Et toi? Ouh, t'es mort. Donc ça, c'est fait. Normalement, il en reste un. Bonjour! Au revoir! Ya! Salut! Pas la moitié des cyclopes. Cyclope aveugle en plus. C'est très intéressant. Kikou! Raté. Hop, dans tes fesses. Dans le casque. Voilà. Bon bah 41 coups pour tuer un cyclope, c'est pas mal, j'aime bien. Donc en plus il y a des flèches qui tombent. Hein. Eh mais vous savez quoi les gars? Voilà. Maintenant j'ai la lame de l'Olympe et vous allez souffrir un petit peu quand même. Hop, tu meurs. Et par contre, j'ai pris en plein dans ma gueule. Encore une fois. Tu viens ici, raté, dans les fesses. Et merde. Oh ah oui, il sanctionne direct lui. Et comme un Street Fighter, il punit. Il y a 4 touches, normal. Ah. D'accord. Est-ce que j'aimerais voir si aller à gauche, là, pour voir s'il y a des trucs. Parce que tout à l'heure, ça, on pouvait pas y aller. Et ouais, il y a des coffres. Mais moi, j'aime les coffres. J'aime quand ça coffre. Ça veut rien dire. Le corps de Minotaurès. Je crois que, basiquement, ouais, on est à la dernière partie du jeu, là. Je sais, je le répète souvent. Bon, on aime beaucoup de mes jeux, mais... Et on s'en fout. Hop, les bottes d'Hermès à fond. La boutade d'Hermès. On va tester. Hein. Et on va peut-être augmenter l'âme du chaos. L'âme de l'exil, là. C'est vrai que c'est de l'âme de l'exil. Ah oui, ça fait du feu. D'accord.
Ok, donc on est en haut. Bonjour madame. Bonjour madame. Ah, c'est une grosse chaîne tout ça. Ah ouais, ça va être sympa. Ah, les archers, lol. Salut les filles. Au revoir les filles. Ça je prends. Carrément même. Parce que je suis un peu en galère. Ça aussi. Parce que... Bonjour. Voilà, au revoir. On va finir le tour et puis voilà. Il y a bien des... Ah bah il y a encore des coffres. Bah c'est vrai, j'ai bien fait de finir le tour. Ça va, dans le jeu là on n'est jamais trop perdu, c'est cool. Et je dis ça, je vais me perdre dans 2 minutes. Non, pas des relous. Oh non. Alors vous les avez vus dans God of War Ascension, celles-là, elles sont super chiantes. Sauf quand on les tue. On est pas mort. Maintenant elle est... Voilà, putain de sirène en fait. Mais elles ont été complètement designées autrement. Ah, Rums. Bam. Ah, tu meurs. Normalement, il va y avoir une autre sirène, ouais, voilà. Ah, ou... Huch. Ah là, tu touches pas le sol. Un escalier. Un escalier dépliable encore, j'ai l'impression. Ou pas. Peut-être pas en fait. Ouais, facile. Et là moi c'est un truc que j'avais bien aimé. C'est un petit truc musical. Tout con. Mais sympa. On va commencer par vider les coffres déjà. Oui, merci les ailes. Et voilà, alors ici il faut tourner. Pour faire l'épée des dieux, je sais plus quoi. Nope. La lame de l'Olympe. Ouais. Nope. Yep. Nope. Qui ressemble un peu à la lame de... à la dernière épée dans Darksiders. Et la lame de je sais plus quoi. Qui est hyper classe aussi, qui est dorée. Et là du coup ça va être un mini-jeu avec les touches de la play. Ici bien évidemment il n'y a pas de coffre parce qu'il faut pas déconner. Par contre là il y en a un. Et du coup on va retourner de l'autre côté parce qu'on a peut-être qu'on a zappé. J'aime bien comment il s'éclate comme une merde quand il a plus de cire. Là. Ah bah voilà. Allez c'est quoi, c'est une corne de Minotaurus? Certainement.
Ah, une plume et le phénix. Plume de phénix. C'est moi, phénix. Oh, oh, oh mon frère. Oh, je savais que tu viendrais. Hop, oui. Aïe. J'adore. Ça, c'est de la vie. Ça tombe bien, parce qu'il m'en manque un tout petit peu. Alors, basiquement, très simple, hein, c'est du Simon. Non, non, c'est du Guitar Hero. C'est le thème de Kratos en fait. C'est stylé. Et en fait on a fait monter la flamme jusqu'à nous. Normalement, il y a un point de sauvegarde quand on va arriver, ce sera la fin de l'épisode. Nickel. Timing parfait, ou presque. C'est long. Pam 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 pam. Putain, cette image. Ah, génial. Comment j'avais fait déjà pour eux? Je sais plus. Mais tous vos gueules. Reste là. Voilà. Ça marche bien comme ça. Ah bah je crois qu'il faut juste utiliser la gorgone. Ah merde, j'ai tué. Eh bien... D'accord, bon en fait, la tête de Gorgone marche pas, il faut vraiment une Gorgone normale. Mouche. Merde, j'ai encore tué, putain. Si je fais... Rien du tout. C'est pareil. Voilà, tu restes là. Tu restes là, j'ai dit. Tu restes là, j'ai dit. Parce qu'en plus, t'es hors champ. Voilà, là, on est bien dans le champ, c'est pas mal. C'est bon, vous allez me laisser descendre? Merci. Je puisse sauvegarder tranquillement, là. J'ai perdu 3 minutes. Faites chier, merde, putain. Bordel. Pas le temps. Et donc, ok. Et donc, il y a un point de sauvegarde quelque part. Normalement, au pied du truc. Voilà, en face. C'est nickel. Et on va pouvoir se quitter là.
Et donc, on se retrouvera la prochaine fois pour plus de muscles, plus de Sparte et tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Bye.